Les rois destitués, ou plutôt déchaulés selon le jargon carnavalesque, ont difficilement rendu leur couronne après un an de règne. Je ressens tout à fait ce qu'a dû ressentir Louis XVI quand il est monté à l'échafaud. Et d'ailleurs, c'est tellement dur qu'on a failli ne pas venir. On s'est dit, ils feront bien sans nous. Aussi, mais c'était une année magnifique et maintenant, il faut passer le relais avec la clé et on en aura profité jusqu'au bout. Deux couples étaient en lice pour le titre de roi et reine carnaval. Et ce sont finalement Simon et Laure, de la confrérie des lutins et des denrettes, qui ont été élus.